Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à incliner la tête dans la prière. Matondi, Matondi, Nayokolo. Bela kuma ma matondi 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 nayokolo Bela kuma yemba matondi 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 Nayokolo. Oui, Seigneur notre Dieu, ce soir nous voulons encore te bénir, te rendre grâce parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons Seigneur parce que c'est en toi que nous avons le mouvement, l'être et la vie. Alors que nous voulons écouter cette parole qui est la vie. Oh Dieu, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, viens nous parler encore ce matin. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent à travers les médias, que cette parole les touche, que cette parole, Seigneur, crée une atmosphère de grâce, une atmosphère de gloire, et que quelque chose se passe dans les maisons, que quelque chose se passe, Seigneur, maintenant, alors qu'ils suivent ce message de ce soir. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Viens nous faire du bien par ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Ce soir, bienvenue dans le Seigneur. Na poko balinga mikat na kolo. Nous allons parler d'un terme qui est très simple. Tu vas malika moko za pete penza. Tout est grâce. Nyonso ezangolo. Tout est grâce. Nyonso ezangolo. Et nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Tokotanga makomi nzambe na buku ya mbo ya Wakoriti. Chapitre 4 et un seul verset, le verset 7. Si nous avons trouvé, nous allons lire dans le nom de Jésus. Amen. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons parler ici de la grâce de Dieu. La grâce signifie une faveur imméritée. Et il s'agit de la miséricorde et de la bonté de Dieu que Dieu accorde à l'homme pécheur. Et la grâce désigne parfois un mandat spécial. Un don particulier confié à une personne. Et cette grâce la rend capable de s'acquitter d'une mission définie par Dieu. Et vous comprenez bien aimé dans le Seigneur que la grâce est en contraste avec la loi. Là où la loi exige, la grâce donne. Donc là où la loi exige, la grâce donne. Mais dans le passage que nous avons lu bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons du début du chapitre 4, nous allons voir que Paul s'adresse aux chrétiens des Corinthiens. Vous savez que l'église des Corinthes était une église pleine de dons spirituels. Une église où la gloire de Dieu était manifeste. Une église où il ne manquait de rien. Mais il y avait un problème. Les gens avaient oublié que ce qu'ils avaient n'était que pure grâce. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons partager pendant quelques minutes
de la grâce de Dieu. Nous voulons comprendre que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons n'est que grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Bien aimé, la première chose, la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie, c'est le salut. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit ceci. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es bon. Ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose à Dieu, mais c'est seulement par la grâce de Dieu. Donc il n'y a pas besoin de s'enorgueillir. Donc si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est seulement par la grâce de Dieu. Et la deuxième chose bien aimée dans le Seigneur, nous voyons cela dans le livre de Luc et dans le livre de Luc. Il y a Élisabeth et Marie. Élisabeth et Marie. Lorsque l'ange apparaît à Élisabeth, qui était déjà vieille, qui n'avait pas pu avoir des enfants pendant toutes ces années, Élisabeth dit ceci. Élisabeth a kolobaboué. Tu m'as ôté de l'opprobre. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous vivions dans l'opprobre du péché. Nous vivions dans nos souillures. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu que Dieu nous a pris dans notre propre et a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et Marie encore dit ceci, toujours dans Luc. Je bénis le Seigneur parce qu'il a jeté le regard sur la bassesse de sa servante. Bien aimé dans le Seigneur, nous étions des gens qui vivions dans la bassesse. Qui pouvait jeter le regard sur nous? Qui pouvait s'occuper de nous? Personne, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que ces dieux grands pouvaient jeter ces regards sur nous? Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a jeté ses regards sur notre bassesse. Est-ce que parce que nous étions beaux ou belles à ses yeux? Non. C'est seulement par sa grâce. Et la troisième chose bien aimée dans le Seigneur, si nous lisons dans Tite chapitre 3 verset 7, nous voyons deux choses. La première chose, la Bible nous dit que Dieu nous a justifiés par sa grâce. Que veut dire justifié? Justifié veut dire que nous étions coupables, mais par sa grâce, Dieu a décidé lui-même de nous déclarer juste. Il nous a déclaré non coupables. Pas parce que nous n'étions pas coupables, mais seulement par sa grâce. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, j'aimerais te dire, si tu es déclaré juste aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu avait commis une erreur dans sa condamnation, mais c'est parce que notre péché méritait un châtiment. Mais par sa grâce, Dieu a décidé de nous déclarer juste malgré nos péchés. Ce n'est pas à cause des œuvres, les œuvres que nous aurions faites, mais ce n'est que par sa grâce. Et dans le même passage de Tite, chapitre 3, verset 7, après nous avoir déclaré juste devant lui, après nous avoir déclaré juste devant sa justice, Dieu fait une deuxième chose. Il fait de nous des héritiers. Alléluia. Amen. Pas parce que nous étions dans la lignée des héritiers. D'ailleurs, la loi ne nous considérait pas. Mais c'est à cause de sa grâce que Dieu nous aligne parmi les héritiers. Par pure grâce. Mais tu ne peux pas t'enorgueillir.
Si nous sommes héritiers des dieux aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nos mérites. C'est seulement à cause de la grâce des dieux. Donc il n'y a point besoin de s'enorgueillir. Et une autre chose, bien aimé dans le Seigneur, nous le trouvons dans Romains chapitre 12, verset 6. La Bible dit ceci, que Dieu nous a élu par sa grâce. Il y a presque 8 milliards de gens sur cette terre. Mais si Dieu avait décidé de te choisir, de te lire parmi ces 8 milliards de gens, ce n'est pas parce que tu es meilleur, ce n'est pas parce que tu es beau, belle à ses yeux, mais c'est seulement parce qu'il en a décidé ainsi par sa grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'on veut être candidat quelque part, pour prétendre être élu plus tard, on met toujours des critères. Et pour être parmi les candidats, il faut satisfaire à ces critères. Nous les voyons pendant les élections. On dit que tel candidat ne peut pas postuler parce que il ne répond pas aux critères. Et il est déclassé. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, malgré que nous ne répondions pas à ces critères, il a décidé de nous élire et de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. L'élection, c'est une affaire de grâce. Dieu dit à Jérémie, je t'avais choisi depuis le sein de ta mère. Alors que Jérémie n'était même pas conscient de son existence, Dieu l'avait choisi. Alléluia. Amen. Mais un autre élément dans la Bible, quand nous avons défini la grâce, nous avons dit que la grâce peut être comprise aussi comme un mandat que Dieu donne à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te fait mandataire, ça ne veut pas dire que tu remplaces celui qui t'a donné ce mandat. Je me rappelle qu'il y a, plusieurs années déjà, un de nos pasteurs m'avait mandaté pour aller prêcher quelque part. Quand je suis arrivé dans cette cellule, je prêchais la parole de Dieu. Bien aimé, à la fin, j'ai été béni comme si c'était ce pasteur-là qui avait prêché. Est-ce pour autant que je le remplace? Est-ce que je vais commencer à me dire non, maintenant je suis ce pasteur-là? Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un mandat. Bien-aimé, ce que tu fais, tu le fais au nom de Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Il faut laisser Dieu à sa place. C'est que nous devons comprendre que c'est un mandat que j'ai reçu de Dieu. Un jour, il peut décider de retirer son mandat et le donner à quelqu'un d'autre. Une autre signification de la grâce, comme nous avons vu dans la définition, c'est un don de Dieu. Et Romains chapitre 12, verset 6 dit ceci: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Bien aimé, les dons spirituels que nous avons de Dieu ne sont que pure grâce. Il n'y a pas besoin de s'enorgueillir. À l'église de Corinthe, il y a certains chrétiens qui avaient des dons miraculeux. Des dons spectaculaires qui ont commencé à se frapper la poitrine pour dire: Ngaïnde. Ah. Ngaïnde. Ah.
Ah, yozana do libéralité te yote. Nga nazo do prophétie, je suis puissant. C'est une sorte de don spectaculaire. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as reçu un don que tu deviens meilleur que les autres. Ce n'est que grâce et pure grâce. Autre chose, bien aimé dans le Seigneur, la protection que nous avons de la part de Dieu n'est que pure grâce. Aujourd'hui, il y a cette maladie de COVID-19. Il y a des, parmi les chrétiens qui sont tombés malades. Est-ce que parce qu'ils sont moins bons que nous? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas parce que tu as attrapé cette maladie que tu n'as plus la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Bien, mais ce n'est pas parce que tu as cette maladie que tu n'es plus sous la grâce de Dieu. Parce que si nous lisons dans Luc chapitre 4, la Bible dit ceci. Il y avait plusieurs malades en Israël. Mais c'est vers Naaman que Jésus, que Dieu a envoyé les prophètes pour trouver la guérison. Comprenez ceci bien aimé dans le Seigneur. Même si vous êtes atteint de cette maladie, la grâce de Dieu est encore sur vous. J'aimerais que tu dises amen là où tu es. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire encore ceci. Même si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est mort de cette maladie, ce n'est pas pour autant que la grâce de Dieu a quitté votre famille. Notre Dieu est encore vivant, capable de déverser encore sa grâce sur toi. Bien aimé dans le Seigneur, la protection que nous avons de Dieu n'est qu'une grâce. Vous savez, en Occident, lorsque cette maladie a commencé à se propager en Afrique, ils avaient prévu l'hécatombe en Afrique. Parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas préparés à cela. Croyez-vous que s'il n'y a pas beaucoup de malades en RDC, c'est parce que l'équipe de riposte est très forte. Nous ne voulons pas annihiler les efforts de cette équipe de riposte. Mais nous voulons dire ceci. Qu'au-delà des mesures préventives, au-delà des gestes barrières, au-delà des investissements du gouvernement, il y a la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, respectez les gestes barrières, respectez les mesures d'hygiène. Mais sachez que au-delà de cela, il y a la grâce de Dieu. Au-delà de toutes ces choses, il y a la grâce de Dieu. Au-delà de toutes ces choses, il y a la grâce de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses retenir cela. Il y a une sœur qui m'a écrit dernièrement pour dire ceci. Comment nous allons nous en sortir avec tout ce qui arrive autour de nous? Elle disait qu'elle avait peur. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait devenir. Mais je lui ai dit ceci. Ma soeur, la première chose que je te recommande, c'est de respecter les mesures préventives d'hygiène. La deuxième chose que je te demande, c'est de respecter les gestes barrières. Mais j'ai terminé en lui disant ceci. Ma soeur, au-delà de toutes ces choses, il y a la grâce de Dieu. Au-delà de ces choses, il y a la grâce de Dieu. Même s'il arrivait que tu sois atteinte aujourd'hui, au-delà de la maladie, il y a amen. La grâce de Dieu. Même s'il en a, il arrivait qu'aujourd'hui que tu meurs ou que quelqu'un de ta famille meurt, au-delà de cela, il y a la grâce de Dieu. Il y a la félicité. Ah. Voilà pourquoi David pouvait dire avec raison.
Ta bonté vaut mieux que la vie. David savait que même s'il pouvait tomber entre les mains de Saül et que Saül est tué, qu'au-delà de cela, il y avait la grâce de Dieu. Il y avait la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre chose. C'est l'inspiration. J'ai beaucoup aimé ma version de la Bible Vie Nouvelle. Qui dit ceci dans Colossiens 3:16? Je prends juste la dernière partie. Il dit: chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, si nous pouvons prêcher, si nous pouvons composer des cantiques extraordinaires qui bénit le peuple de Dieu, bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes forts artistiquement, ce n'est pas parce que nous avons l'intelligence. J'aimerais m'adresser à tous ces musiciens qui me suivent. J'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que l'inspiration que vous avez, c'est seulement la grâce de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un homme de Dieu qui parlait un très bon français. Lorsqu'il parlait, que vous fermiez les yeux, vous aurez l'impression que c'est un blanc qui parle. Et si vous suivez sa prédication, vous avez 0% de chance d'entendre une faute des Français. Et il parlait avec un accent extraordinaire. Lorsqu'il parlait, vous aviez envie de l'entendre et de l'entendre encore. À cause du français qu'il parlait. Il articulait tellement bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'il avait oublié. Que ces français-là, ce n'était pas son français. C'était seulement la grâce de Dieu. Parce qu'il n'avait pas fait de grandes études. Mais il parlait un très bon français. Et un jour, il a commencé à se méconduire. Il a commencé à dévier la voie de la voix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé? Un jour, comme il était toujours sûr de lui, il a commencé à prêcher. Il a dit: la papa. Ah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il a commencé à commettre beaucoup de fautes d'orthographe. Beaucoup de fautes des Français. C'est là qu'il a compris que les Français qu'il parlait, c'était seulement la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Mais ce soir, je vais m'adresser à vous, musiciens. Sachez que ce que vous avez comme inspiration, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, moi j'aime beaucoup la musique. Musique chrétienne, évidemment. Vous avez déjà remarqué qu'il y a certaines chansons, quand vous les entendez, vous sentez qu'il n'y a rien de grave là-dedans. Mais ça vous plaît seulement. Artistiquement, peut-être ce n'est pas bon. Mais ça fait du succès. Vous pouvez prendre aussi un musicien qui n'est pas connu. Quand vous regardez son texte, vous regardez sa mélodie, artistiquement parlant, vous sentez que c'est bon. Mais quand vous regardez un autre musicien connu, vous regardez son texte, vous regardez la mélodie, vous sentez que c'est lui-là qui n'est pas connu qui est meilleur.
Mais la différence est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais vous savez, j'ai connu une chanson. Cette chanson-là, c'est seulement une seule phrase. Du début à la fin, c'est seulement une phrase. Mais c'est une chanson qui inspire beaucoup de gens. Qu'est-ce qui est derrière cela? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de notes de musique bien arrangées. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien, mais il y a une autre chose. Le service que nous offrons à Dieu, le service que nous faisons pour Dieu, n'est que pure grâce. N'est que pure grâce. Paul écrivant aux Éphésiens dit ceci. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée. Paul a compris ceci. S'il pouvait gagner beaucoup d'âmes dans le Seigneur, s'il pouvait œuvrer plus que les autres apôtres, parce que le service de Paul nous impacte jusqu'à aujourd'hui. Même l'apôtre Pierre, qui est considéré comme la colonne de l'église, reconnaît que non, l'apôtre Paul, il connaît des choses plus que moi. Paul n'a pas vu Jésus en chair. Il n'a pas vécu avec Jésus. C'est Pierre et les autres qui ont vécu avec Jésus. Mais Paul a compris ceci. Je n'ai pas été avec Jésus. Je l'ai vu juste sur le chemin de Damas. Mais ce que je fais va au-delà de ce que les autres apôtres ont fait. Paul a compris. Donc ce n'est pas parce qu'il était pharisien. Parce qu'il connaissait beaucoup. Parce qu'il était dans une bonne position sociale. Paul a compris ceci. Que le service, que les grands services qu'il a rendus plus que les autres, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il dit, moi le moindre de tous les apôtres, j'ai fait de grandes choses. Il a compris que ce n'était pas à cause de sa force. Il a compris que ce n'est pas à cause de son intelligence. C'est seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais m'adresser à vous, serviteurs de Dieu. À vous, jeunes serviteurs de Dieu. Je sais que vous avez des grandes, vous avez fait des grandes choses avec Dieu. Vous avez un grand ministère. Peut-être même en gestation. Peut-être même Mais Dieu veut te dire ceci. Même lorsque tu vas commencer à faire des grandes choses avec lui, retiens une chose. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. Même lorsque tu vas bâtir un ministère puissant, un ministère grand, retiens que c'est seulement la grâce de Dieu. Bien, mais il y a une autre chose. C'est la richesse. J'aimerais que nous puissions lire ce passage. Nous sommes dans Genèse chapitre 32 verset 10. J'aimerais que nous puissions lire cela. Genèse chapitre 32 verset 10. La Bible dit ceci. C'est Jacob qui parle. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces jours avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Qu'est-ce que Jacob voulait dire? Quand il a traversé le Jourdain, il n'avait rien. Parce qu'il fuyait son frère.
Mais quand il est arrivé chez Laban, il a travaillé pendant plus de 14 ans. Jacob était devenu très riche. Jacob pouvait se dire, c'est à cause de ma force, c'est à cause de mon intelligence que j'ai acquis toutes ces choses. Mais Jacob a dit ceci: je suis trop petit. Ça veut dire que je ne suis rien. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas d'intelligence. Mais tout l'argent que j'ai amassé durant ces 14 années, c'est Dieu. En d'autres termes, Jacob voulait attribuer toute sa richesse à Dieu. Pendant ce temps de confinement, j'aimerais que nous puissions réfléchir par rapport à ces choses. Toute la richesse que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, mais c'est parce que la grâce de Dieu. Même si tu t'es forgé une grande fortune, même lorsque tu as des jets privés, sache, bien-aimés dans le Seigneur, comme Jacob, reconnais que toutes ces richesses, c'est des dieux. Une autre chose bien aimée dans le Seigneur, c'est Paul qui parle. Il dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien aimé dans le Seigneur, là où nous avons lu, Paul posait la question aux Corinthiens: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Bien aimé, c'est soit j'aimerais te poser cette question: qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi tu veux t'enorgueillir? Pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi t'enorgueillir? Bien aimé, nous allons terminer ce soir. Mais j'aimerais, avant de terminer, lire un passage. Nous allons lire dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Nous allons lire un seul verset, le verset 11. La Bible dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu, comment devons-nous vivre? Bien-aimé, la réponse se trouve dans Tite chapitre 2, versets 11 et 12. La première chose: nous devons renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. L'impiété, c'est quoi? L'impiété, c'est le rejet des dieux. Le rejet des principes des dieux. Même pendant ces temps de confinement, il y a des gens qui vivent loin des dieux. Ils ont rejeté Dieu. Et ils vivent dans les convoitises des mondes. Il y a un serviteur de Dieu qui a fait des enquêtes, qui dit que pendant ces temps de confinement, la visite des sites pornographiques a explosé. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous invite à nous éloigner des convoitises du monde. Là, je ne m'adresse pas aux enfants de Dieu seulement. Je ne m'adresse pas seulement aux enfants de Dieu, mais même aux païens. Cela veut dire qu'il y a même certains enfants de Dieu pendant ce temps de confinement qui vivent selon les convoitises du monde. Ce soir, la grâce de Dieu t'invite à te retirer des convoitises du monde. Et comment vivre selon la grâce de Dieu? Comment vivre pour montrer que tout ce que nous avons n'est que pure grâce? La réponse est dans le passage que nous avons lu. La première chose:
La Bible nous appelle à vivre selon la sagesse. Bien-aimé, si tu vis selon la sagesse, tu vas vivre dans la modération. Tu vas vivre avec réserve. Parce que la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Même pendant ce temps de confinement, tu n'es pas appelé à faire toutes les choses. Tu dois vivre avec sagesse. Et la deuxième chose, c'est à vivre dans la justice. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Tu dois respecter les droits des autres. Même si tu es patron, même si tu as beaucoup de richesses, il faut respecter les droits des autres. Parce qu'avant, toi aussi, tu étais comme les autres. Même si aujourd'hui, tu es milliardaire, souviens-toi d'où Dieu t'a pris. Et respecte les autres dans leurs conditions. Et la dernière chose, Dieu nous invite à vivre selon la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Cet attachement qui nous pousse à obéir à Dieu. Et je vais vous lire une définition. Une définition donnée par le pasteur et théologien Jean Calvin. Papa Jean Calvin l'obit. Et c'est lui, dans son livre intitulé L'institution de la religion chrétienne, dans le tome 3, il dit ceci: la piété, c'est la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu. Amen. Par la sainteté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous savons que tout est grâce, si nous savons que tout ce que nous sommes nous vient de Dieu, nous allons vivre attachés à Dieu. Nous allons nous éloigner des tuyaux de ce monde. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu vas t'enorgueillir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses baisser la tête dans la prière pendant un moment. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons la foi que dans les semaines qui viennent, ce confinement va prendre fin. Et Dieu veut nous parler ce soir. Parce qu'il veut qu'à la sortie de ces confinements, tu ne sois plus ce que tu étais avant les confinements. Dieu veut que tu comprennes que tout est grâce dans ta vie. Tout ce que tu es n'est que pure grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Commence à prier, bien-aimé. Remachanda rabose. Rebo satarabo yende rebo sakabaya mama santa. Rebo shenda rabo satababa. Oh Père éternel, nous te bénissons ce soir parce que nous croyons en ta présence en ce lieu. Nous croyons que ce message que tu avais inspiré à ton serviteur, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'après ce moment de confinement, tu veux que nous puissions vivre autrement. Tu veux que nous puissions voir le monde autrement, voir notre ministère autrement, voir notre richesse autrement, voir nos dons autrement, voir tout ce que nous possédons autrement. Oh Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui me suivent à travers les médias. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître à partir d'aujourd'hui que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, n'est que pure grâce. Que même s'ils sont très riches, qu'ils continuent à s'attacher à toi. Même s'ils seront dans la gloire, même s'ils vont vivre la renommée, même s'ils vont vivre les grandes choses, oh Dieu, qu'ils continuent à s'attacher à toi. Qu'ils ne puissent pas s'éloigner de toi, mais qu'ils puissent rester attachés à toi, malgré la richesse, malgré la gloire, malgré tout ce qu'ils pourront posséder, oh Dieu, qu'ils puissent reconnaître que tout cela n'est que pure grâce, et que leur richesse, leur gloire, leur renommée, au lieu de les éloigner de toi, les rapproche encore davantage de toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce soir. Que toute la gloire te revienne.
Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons de nous avoir choisis pour nous suivre. Et nous continuons encore. Nous vous rappelons que le dimanche prochain, nous serons là encore. À partir de 9h, nous serons là en direct avec le docteur Jean Cesse qui va continuer encore à venir chez vous pour vous édifier. Soyez toujours avec nous, toujours sur la même page le dimanche à partir de 9h. Connectez-vous et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous atteigne là où vous êtes. J'ai dit un grand Amen. 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 Amen.